militante de terrain, femme engagée pour les droits humains et plus particulièrement pour les droits des femmes, Aïcha Chna, surnommée la Mère Teresa du Maroc, s'est éteinte le dimanche 25 septembre 2022 à l'âge de 81 ans. Née à Casablanca en 1941, orpheline de père, elle est touchée très jeune par la cause des femmes et des enfants abandonnés. Après ses études d'infirmière, elle démarre sa carrière professionnelle en tant qu'animatrice d'éducation sanitaire et sociale. C'est dans ce contexte qu'Aïcha Chna découvre la réalité des femmes célibataires et des enfants nés hors mariage dans le royaume. En 1985, elle a fondé avec d'autres militantes et militants l'association Solidarité Féminine à Casablanca, dont le but principal est de porter assistance aux mères célibataires et aux victimes de viols. كنمشي للجامع كنقولهم شوف بنياتي شوف هذاك الولد اللي حداك ياك زويد ولابس مزيان وشاب كيقول لك كنبغي يقول لي حتى انا ولكن شد يدك عندك على قبل الا حملتي راه ما غاديش تحمل ماشي هو اللي غادي يحمل انت اللي غتحملي غادي يهرب يمشي يكمل قرايته وجهه اخرى لا قرايتك لا ولدك ولا بنتك لا مستقبلك لا والو. En 1996, elle publie Miseria, un recueil qui traite d'histoires de victimes, de femmes malmenées, violées ou d'enfants abandonnés. Ce livre a marqué l'opinion publique marocaine. ظرف 2003-2013 نعطيك الرقم هذا اللي الرقم ديالها صحيح عندي راه ما الالاف اللي دازوا 7000 ام عزيبه دازت عندنا حنايا يعني 7000 ام تعتقات و 7000 طفل الاقل بقى مع عمو. Son grand courage et ses actions pour la défense des droits humains ont été récompensées au niveau national et international à maintes reprises. Elle a reçu notamment le prix des droits de l'homme de la République française en 1995, le prix Grand Atlas en 1998, la médaille d'honneur reçue par Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2000, le prix Elisabeth Norgay en 2005 et le prix Opus en 2009. Les actes de cette mère courage resteront profondément gravés dans les mémoires collectives des Marocaines et des Marocains qui n'ont jamais perdu espoir pour donner naissance à un Maroc solidaire où règne la justice au sens le plus large et le respect de la dignité humaine.